Voilà. Bonsoir à tous. Après pas mal de difficultés techniques, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Faut qu'on parle. Nico, ça va? T'es toujours avec moi? Ah, écoute, j'ai pu faire une petite sieste, je me sens en méga forme. Bon. Super. Allez, quelques gouttes au front, mais on est parti. Alors, faut qu'on parle, donc c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours une petite émission hebdomadaire qui normalement est à 20h15 et qui cette fois-ci est à 20h37 et qui traite d'un couple de faucons pèlerins qui nichent à Tournai et que nous, criés de moucherons, hein, soutenus par la Wallonie, on a pris comme espèce totem pour l'utiliser pour sensibiliser plus facilement la population à la biodiversité en ville qui n'est pas si facile à voir. Donc on a un site internet www.pèlerin-tournai qui reprend toutes les informations, les détails et plein de petites vidéos sympas. Alors, c'est Gatien qui parle, c'est Nico, mon collègue, Nicolas Adachi, mon collègue, qui va apporter tous les détails scientifiques et techniques. Je vous rappelle juste en vitesse que faut qu'on parle, c'est interactif. Donc vous avez la possibilité de nous déposer des petites questions chaque fois qu'elles vous passent par la tête. Pour le faire, c'est très facile. Vous envoyez un mail à fautquonparle@criermoucheron.be et nous, on les relaie. Et puis par ailleurs, eh ben, sur le chat de la vidéo YouTube ou du Facebook Live, vous pouvez laisser des petits messages et on essaie d'y répondre en direct. Alors Nico, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, donc c'est passé pas mal de choses cette semaine, mais est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de où on en était mercredi passé? Alors oui, on en était en fait, on le voit bien sur la photo, on voit notre couple de faucons pèlerins dans le fond et on voit quatre œufs. Donc notre couple qui est revenu à Tournai en 2012 et qui niche cette année à Saint-Jacques, eh bien on était en pleine période d'incubation et on attendait cette semaine avec impatience car d'après nos pronostics, c'était la semaine de l'éclosion. Bon, alors on va pas garder le suspense beaucoup plus longtemps. Je pense que tout le monde a compris ce qui s'était passé. Effectivement, il y a eu les naissances comme attendu ce week-end. Alors ce qu'on vous propose nous de faire rapidement dans ce Faut qu'on parle, c'est de reparcourir cette semaine à travers, enfin pour reparcourir un peu les moments magiques de cette semaine à travers une série de petites vidéos qu'on a captées pour vous ou que des gens nous ont proposées en disant ah là il se passe quelque chose de sympa, peut-être vous pouvez l'utiliser. Alors tout commence. Avec celle-ci, hein, donc ça démarre hop, le samedi à 7h20. Voilà, je vais lancer la vidéo. C'est pas évident de voir ce qui se passe. Est-ce que Nico, tu peux peut-être nous aiguiller un tout petit peu sur ce qu'on va voir là maintenant tout de suite en direct? J'espère, oui. Alors là, on voit la femelle de faucon pèlerin. Voilà, on voit qu'on est encore en infrarouge là pour le moment. Et on va, à un moment donné, la femelle va bouger et on va voir un œuf qui a une toute petite cassure. Et du coup, c'est vraiment les prémices de l'éclosion. Donc, il faut savoir que 30 à 40 heures avant que le poussin ne découpe la coquille, il fait ce qu'on appelle, il la cabosse. Donc, avec son bec, il crée un tout petit écaillement. Et on va le voir ici, je pense. Voilà. C'est la petite tache noire qui est là? La petite tache noire qui est sous la femelle, du coup, l'œuf qui est le plus à droite, si on regarde l'écran, ou voir qu'il y a un petit trou, très léger. Et du coup, ça, c'est le jeune qui commence en fait à passer son bec. Et alors, on le voit pas, mais on pourrait le voir. Hein. Si l'image était un petit peu plus nette, on pourrait voir le bec du petit. Et ça, voilà, c'est signe que l'éclosion est pour très très bientôt. On voit la femelle qui fait une petite marche arrière. À mon avis, c'est pour faire une fiente. D'accord, pour pas salir le nid, quoi. Voilà, dans un premier temps, effectivement, elle n'a pas trop envie de salir le nid. Après, à un moment donné, elle va venir plumer ses proies, etc. Et le nid va ressembler à une espèce de grosse doudoune remplie de plumes. Mais effectivement, tout ce qui est déjection, elle les fait à l'extérieur du nid. Donc voilà, D'accord. c'était ça vraiment, lorsqu'on a vu ces images, on s'est dit, c'est pour très, très, très bientôt. D'accord. Alors,
Petite vidéo supplémentaire captée un peu plus tard, 8h50, toujours samedi. Les choses semblent se préciser. Donc, on voit d'ailleurs dans la vidéo, je pense que la femelle a un comportement un peu étrange. Est-ce que c'est habituel, pas habituel? Ouais. Alors effectivement, en fait, on voit que la femelle est assez nerveuse elle est assez dressée aussi. Elle n'est pas complètement à plat sur ses œufs. Et donc malgré que le premier jeune ne soit pas encore là, il y a déjà toute une communication qui s'opère entre le jeune et la maman. À savoir qu'en fait, le jeune, une fois qu'il a percé sa coquille, il va commencer à émettre des sons. Et la femelle, elle va être très attentive à toutes ces petites émissions vocales et régulièrement. On va la voir qui regarde entre ses pattes, comme on l'a vu juste avant. Elle peut même toucher l'œuf, devine la avec son bec, avec la pointe du bec. Et voilà, elle peut même mordiller, avaler des petits morceaux d'écailles. Donc c'est une période de grande agitation et ça précède en général l'éclosion. Je pense même que sur la vidéo, on va voir à un moment donné prendre un petit caillou. Ça, elle aime bien faire aussi, ramener des petits cailloux à elle pour créer une espèce de rempart autour de Une petite cuvette, quoi. ses œufs, ouais, vraiment une espèce de petite cuvette. Voilà, je sais pas si. D'accord. Ben voilà, on Ah oui. commence à goûter un petit peu. Voilà, Très donc bien, alors. toujours pas petit, mais là ça se précise. D'accord. Bah, alors, je pense que dans la vidéo qui suit, donc toujours le samedi, 11h25, cette fois, bah, les choses se sont passées. On va le voir tout de suite, je pense. Le jeune est né, et c'est la première vidéo, Nico, où on voit, où on voit le premier. On le voit vraiment bien. Ouais, là on le voit effectivement, on le voit bien. Alors pour le moment, on a la femelle qui est sur les trois œufs et le petit, puisque le petit est déjà né. Et on va voir la femelle qui va s'en aller, le mâle qui va prendre le relais. Et du coup, on va pouvoir observer cette petite merveille de la nature qui va faire son apparition. Voilà, c'est la petite boule blanche là. C'est la petite boule blanche, ouais, exactement. Alors on voit que cette petite boule blanche manque un peu de tonicité et d'énergie, mais c'est assez classique chez les tout petits. Et du coup, il faut vraiment qu'il y ait un stimulus genre la lumière ou alors les cris de la femelle pour exciter un petit peu le petit qui va alors à ce moment-là bouger. Mais du coup, ça, c'est un comportement complètement classique. Et du coup, lorsqu'il vient de naître, il est complètement humide et assez rapidement, sous l'effet de la chaleur de la femelle ou du mâle. Et on va vraiment voir le duvet qui va apparaître et du coup on a cette petite boule blanche adorable. D'accord. Bon alors évidemment, bah, tout va pas s'arrêter là. Samedi, toujours 16h55, le second est arrivé. Tout à fait. On a le second qui arrive. Et on voit la femelle, ça c'est toujours le mâle en fait qui, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais on va voir la femelle qui va nourrir. Ah non, c'est le. Attendez, je découvre un petit peu aussi en même temps que vous. Ouais, non, je pense qu'effectivement, c'est la femelle qui arrive avec une proie, le mâle qui va s'en aller. Voilà, hop, puisque chez les faucons pèlerins, les tâches sont vraiment très très bien définies. Donc le mâle qui est plus petit, plus agile, qui a un instinct de chasse très très développé, lui va vraiment s'occuper du ravitaillement de la famille. Et la femelle, elle, bon, plus grande, plus puissante, qui a une certaine agressivité envers les autres espèces qui pourraient s'approcher de son nid. Elle va plutôt s'occuper de défendre les petits et de s'occuper des poussins. Donc des poussins. Elle dépèce les proies, répartit les béquets et elle va les défendre les petits en cas de danger. Donc D'accord. effectivement, là, oups, on le devine juste hein, parce que c'est vraiment des tout petits, mais il y a Ouais. le premier jeune là qui est en train d'ouvrir son bec et juste à gauche. Il y en a un. Oui, le tout petit qui bouge un tout petit peu, mais oui. Alors on voit même déjà le premier, il a les yeux ouverts. Donc, les premières heures, il va déjà ouvrir les yeux. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il voit. Donc, il va pas distinguer les formes. Il va pas distinguer grand-chose en fait. D'accord. C'est plutôt des perceptions de lumière qu'il va pouvoir Percevoir. percevoir. Et il faudra tout ça va
va venir dans le développement des 2 premières semaines. Et du coup, d'abord, il y aura une visibilité proche, donc dans les 5 à 10 minutes qui va s'opérer. Mais voilà, D'accord. premier nourrissage. Voilà. Oui, c'est effectivement. Et puis ça va vite, hein. On sent que ça va vite bouger, ça va vite grandir. Alors, tu avais expliqué la semaine passée qu'il était probable que tu avais expliqué qu'il y avait une différenciation dans les œufs, 3 premiers, puis un quatrième qui était arrivé un peu plus tard, qu'il était probable que les 3 premiers, même s'ils avaient été pondus à des moments différents, arrivent éclosent le même jour. Et de fait, sur la dernière vidéo de samedi, on va avoir l'occasion de voir l'arrivée du troisième comme tu l'avais prévu. Oui, trop fort, Oh, mais vraiment, c'est Nico. Alors, c'est toujours samedi, 18h50. ouais. Donc, il y a quand même eu un sacré décalage hein, entre le premier qui est né plutôt aux alentours de 7 h du matin, parce qu'en fait, il est né un petit peu avant la vidéo, et le dernier, bon, il y a quand même une grosse dizaine d'heures. Mais effectivement, les trois sont arrivés dans la journée du samedi, ce qui est assez logique, puisqu'en fait, la femelle s'est mise à couver. Voilà, hop, ça c'est merveilleux. On voit l'éclosion du troisième œuf. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gatien. Ah oui, tout à fait, oui. On voit là le petit qui bouge. Et du coup, la femelle s'est mise à couver dès la ponte du troisième œuf. Et ça explique pourquoi les 3 premiers sont arrivés à peu près en même temps. Le quatrième, lui, ayant été pondu 2 jours plus tard, bah, logiquement, doit arriver 2 jours, 2 jours après. Et du coup, ici, D'accord. on voit que le poussin a vraiment bien découpé sa coquille en deux. Il a fait une espèce de cercle perpendiculaire à l'axe de l'œuf. Et la coquille peut être mangée, va généralement être mangée par la femelle. Donc voilà, D'accord. c'est des petits morceaux dans le nid, mais souvent la femelle les mange. Chez d'autres espèces, les adultes vont sortir les restes d'œufs, mais le faucon pèlerin, la femelle va régulièrement se nourrir des restes de coquilles. Et le découpage, il se fait Oui. en 15-20 minutes à peu près. Et c'est réalisé grâce à une petite structure propre aux oiseaux et aux reptiles, voilà, qu'on voit bien ici. C'est pas du coup un faucon pèlerin, ça vous l'aurez deviné, mais c'est la petite structure qu'on voit au bout du bec des oiseaux et des reptiles et qui les aide à faire le trou et à découper l'œuf. Ça s'appelle un diamant. C'est une petite structure minérale, c'est provisoire. Ça va partir dans les premières heures, les premiers jours après la naissance, et voilà, ça porte le nom de diamant. D'accord, c'est comme une ouvre-boîte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben. Alors là, globalement, on a quand même terminé cette fois la journée du samedi, qui était bien remplie, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est donc passé durant la journée du dimanche? Et Je pense que... ben, on attend ta vidéo. Oups, là, je suis passé au... Attendez, je m'en mêle les pinceaux. Tout va bien. Ça va aller. Voilà, c'est dimanche. Cette fois, c'est bon. Bon, on est dans la journée du dimanche là. Du coup, je regarde. Ouais, c'est ça. On est bon. Il est marqué 19 h 16. En fait, c'est 21 h 16 hein, puisqu'il y a 2 heures de décalage. Alors, on voit toujours qu'il y a le quatrième œuf en fait, qui est bien présent. Et du coup, les trois petits, eux, sont bien nés, mais le quatrième œuf est toujours présent. Donc voilà, le petit n'est pas né. C'est normal. On l'attend, vu que les premiers sont nés samedi, on attendait le quatrième le lundi. Et c'est plutôt rassurant de voir la femelle prendre bien soin de son œuf et avec son bec entre la mandibule inférieure et sa gorge. Elle a bien ramené le bec sous elle pour qu'il ait bien chaud. Ouais, c'est super. J'en profite pour enfin dire que c'est génial qu'on ait pu mettre l'infrarouge. On n'avait pas l'infrarouge l'année passée sur nos vidéos et c'est vraiment super parce que ça nous offre des images qu'on pouvait pas voir l'année passée. Je vais en profiter pour passer au lundi parce qu'on va de nouveau se retrouver en vidéo infrarouge. Et là, le quatrième œuf qui était tant attendu est-il arrivé comme prévu? Surprise sur la vidéo. Eh bien, non. Donc là, on voit que l'œuf est toujours là. Hop, ça. Donc, je regarde. On voit qu'il y a le nourrissage de la femelle et des 3 petits. Mais je ne pense pas.
Non, effectivement, ça n'est peut-être pas la bonne vidéo. Je me serais peut-être trompé. Effectivement la bonne vidéo. On est le 19 avril. Oui, on est. Le 19 avril à 17h22. Pas si sûr, hein, par rapport au lundi 21h15. Je me suis peut-être emmêlé dans mes vidéos. Bon, ça, c'est pas de chance. Ouais, je pense que c'est le, on est là, c'est le dimanche encore en fait. Encore, Et ouais, du coup, voilà. ce qu'on voit, c'est le nourrissage avec le quatrième œuf qui est toujours présent. Voilà. D'accord. Et là, on voit que ça mange. Voilà, on voit que C'est ça mange décrit que bien. ça mange. Et on peut, je trouve, déjà observer, je trouve ça vraiment hallucinant, l'évolution par rapport à cette microscopique petite boule blanche qu'on a vue il y a 2 jours. Oui, Et les petits oisillons qu'on voit aujourd'hui, c'est incroyable comment ça grandit. c'est complètement dingue. Et en l'espace de 8 à 10 jours, les petits vont tripler de poids. Donc là, quand ils naissent, ils pèsent à peu près 40 grammes, 30 à 40 grammes, et du coup, ils vont atteindre la centaine de grammes après 8 à 10 jours. Donc effectivement, ça mange beaucoup. Et on voit la femelle, malgré sa puissance et sa robustesse, qui arrive à aller chercher des tout petits morceaux de lambeaux, de viande. Alors il peut y avoir de chair, il peut y avoir des petits os et des plumes dedans aussi, hein. C'est pas interdit. Et elle les donne avec énormément de soin, et s'ils sont un tout petit peu trop gros, bon, c'est pas très très grave, elle les mange pour elle, tout simplement. D'accord. Bon, bah comme on a raté l'éclosion, ce que je vais essayer de me rattraper, et profitant de l'occasion, j'ai vu qu'il était en ligne pour remercier Christophe Gruvier qui nous a envoyé la vidéo là juste 1 heure avant ce numéro de Faut qu'on parle, parce que à Dottigny, bon, vous le savez. Ils suivent aussi un couple de faucons pèlerins. Et l'éclosion du premier œuf vient d'avoir lieu, hein, Nico. Et les images, pour le coup, là, ça s'est passé au super bon moment. Donc, on va vous le montrer. Oui, et du coup, ouais, je vais attendre que la vidéo soit lancée. Ah, Décidément, il est. Bon, eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer directement sur la vidéo de Dottigny comme prévu, parce que ah, là je m'en mêle. Ah, mais non, c'est pas possible. Où est la vidéo de Dottigny? Voilà, c'est ici. Voilà, ça y est. on voit le mâle en fait. C'est le mâle qui est en train de couver. Et la femelle arrive. Bon, elle dit au mâle gentiment de partir. Et là, hop, miracle, on voit effectivement un œuf qui vient de s'ouvrir. Et la Et là, femelle hop là, on voit vraiment pousse. l'expulsion de la petite capuche. Ah, ouais, c'est vraiment splendide. Là, c'est vrai que là, pour le coup, on le voit vraiment très très bien. Oh, oui. Donc, merci à l'équipe de la cellule environnement, merci Christophe pour ce petit partage là juste avant l'émission, c'est super cool. Ouais, on croise vraiment les doigts parce que ça, la première éclosion. Mais voilà, il y a quatre œufs aussi à Dottigny, et du coup, on croise vraiment les doigts pour que les autres œufs vont éclosent aussi. C'est ce qui est tout à fait possible. Je sais qu'en 2018, Christophe m'a dit que les quatre avaient éclos, mais qu'en 2019, il n'y en a qu'un sur les quatre qui avait éclos. Bon, je vous dis pas le petit D'accord. bien bien nourri, Oui. mais ce serait sympa si allez, on en avait un petit peu plus qu'un ici cette année. Pourquoi pas les quatre comme à Tournai qui arrivent. Forcément, il y a encore plus de spectacles. Et d'ailleurs, si on veut suivre les vidéos qui sont régulièrement postées par Christophe, il suffit d'aller voir sur le Facebook de la cellule environnement, ou alors directement aller sur YouTube pour voir les images en direct. Ouais. Et vous tapez Dottigny Faucon et vous tombez directement sur leur direct. Bon, je vais essayer de voir si j'ai encore cafouillé dans mes vidéos. Hein, on va voir ça tout de suite. Hop là, je passe. Si toutefois elle veut bien, j'arrive pas. Voilà. Donc, mardi 6h25. Cette fois, je pense que je reprends le fil des choses. Dans la nuit de lundi à mardi. Notre quatrième œuf a éclos à peu près vers 2h30. Et le lendemain, pouf, premier nourrissage, et cette fois des quatre oisillons. Alors on va le voir, mais sur cette vidéo, on va voir que le quatrième, il a moyennement reçu de nourriture. Et donc, on a eu plusieurs retours de personnes qui nous ont dit, bon, est-ce que le fait que le quatrième n'y reçoive rien, c'est pas inquiétant, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en fait.
il meurt, quoi, tout simplement. Ah, mais c'est pas possible. C'est vraiment dur avec ces vidéos. Voilà. Donc. Donc oui, donc je rappelle, hein, il marquait 4h21, mais en fait on fait plus 2, donc il est 6h21. Et du coup, effectivement, là, on devine nos quatre petits. Et du coup, le tout dernier, en fait, c'est celui qui est le plus éloigné de la maman. Et le nourrissage va durer une dizaine de minutes. Et jamais pendant ce nourrissage, le quatrième va recevoir. N'arrivera à recevoir quelque chose. On voit qu'il essaye, mais la concurrence est forte. Ben oui, hein, il y a, comme tu le disais toi-même, l'évolution des petits est fulgurante, et donc 2 jours de différence au tout début, c'est énorme. Et donc on a un petit qui est né un petit peu plus tard que prévu. Regardez ça, la femelle qui mange, je pense, une patte d'oiseau, c'est assez impressionnant aussi. Le quatrième est né un petit peu plus tard que prévu, puisqu'il est né à peu près 65 heures après le premier. Du coup, en général, on est plutôt à 48 heures, donc ça fait quand même une assez grosse différence. Et du coup, on peut vraiment se poser la question de savoir si il a une chance ou non d'être nourri ou pas. Ici, en l'occurrence, il n'aura pas été nourri par la femelle. Oui. Mais bon, donc ça peut être un peu, on peut se tracasser, mais bon, on rassure déjà tout le monde, tout va bien. Dans la journée, le petit a été nourri, et en fait, tout dépend de la disponibilité en nourriture. Donc, si les conditions sont bonnes, il y aura suffisamment de nourriture pour nourrir les quatre, et il y aura vraiment aucun souci. Forcément, ce sont les plus forts, les premiers, qui mangent les premiers, qui mangent d'abord, et ensuite, une fois qu'ils sont repus, bien, ils laissent la place aux plus petits. Et donc, s'il y a beaucoup de nourriture, bah, il restera toujours forcément quelque chose pour le quatrième, enfin pour le Oui, dernier. bien sûr. Ici, pour le moment, on ne sait pas dire si les petits sont des mâles ou des femelles. Ça, il faut attendre 3 semaines. Mais les femelles sont plus grosses que les mâles. Ça, on en a déjà bien parlé les fois précédentes. Et les femelles, forcément, demandent plus à manger aussi. Donc, dans les cas où le quatrième petit, après 3 sœurs, par exemple, qu'il apparaît vraiment longtemps après, genre 72 heures après, et que les conditions d'octroi nourriture sont relativement faibles, à ce moment-là, la possibilité d'une mortalité est évidemment plus élevée. Mais ici, ça fait 2 jours qu'il est bien nourri, et du coup, il va vite rattraper cette différence de taille avec ses frères et ou sœurs, et a priori, même si on ne peut pas en être certain à 200%, mais tout espoir est permis pour la survie des quatre petits. Oui, d'autant plus que là, enfin, quand on regarde les vidéos, c'est une invitation un peu à ce que vous y alliez dans les jours qui viennent. Le nourrissage est permanent. Oui, toutes les 2-3 heures, en gros, il y a quelque chose qui est ramené par le mâle. Et donc, en fait, à part une exception où on a vu le mâle qui nourrissait, ce qui est vraiment rare, puisqu'en fait, c'est vraiment la femelle qui nourrit, le mâle qui ravitaille. Donc, le mâle va faire les courses et la femelle s'occupe, en gros, de tout le reste. C'est vrai que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça ramène des proies. Alors, on a vu des étourneaux, on a vu des pigeons, on a vu effectivement déjà des tourterelles. On espère voir un maximum de diversité également dans les proies ramenées, parce que voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce que notre faucon chasse. Mais voilà, pour le moment, on a déjà ces espèces-là. D'ailleurs, ça va la diversité des proies, c'est ce qui va sans doute nous occuper aussi dans les semaines qui viennent. Et donc voilà. On en reparlera. On vous invite à rester parce qu'on va en parler. Une petite remarque, je pense qu'elle est d'ailleurs toujours présente dans le nid, mais tu vois cette espèce de grosse tache noire au Oui, milieu, oui. c'est une tête d'étourneau. Ah. Donc on n'a pas montré la vidéo parce que là, Bien, son âme. oui, c'est ça, c'est âme sensible s'abstenir, mais à un moment donné, on voit la femelle qui est en train de plumer l'étourneau, et puis à un moment donné, on voit une petite boule qui saute, et c'est effectivement la tête de notre étourneau qui, à un moment donné, j'imagine, terminera dans le ventre d'un des petits. En tout cas, Ok. Bon, très bien. Bon, ben voilà, et ça c'était c'est une petite un petit panel de ce qui s'est passé une semaine, enfin oui, une semaine assez riche hein, avec ces quatre éclosions. Je propose que maintenant on passe aux traditionnelles petites questions. Donc on a reçu, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes slides cette fois. Hop, oui, c'est bon. On a reçu quelques questions, j'en ai sélectionné deux. Alors il y a Merlin qui nous a posé cette question. Est-ce qu'une femelle pourrait effectivement prendre le nid d'un autre couple? Si oui, elle ferait quoi?
est-ce qu'elle casserait les œufs? Et je pense que ça fait référence à la vidéo qu'on a montrée la semaine passée, où justement à Dottigny, on avait montré cette vidéo où une autre femelle était venue, était introduite dans le nid et ça avait causé un peu d'effroi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Nico? D'abord que je remercie Merlin pour sa question et quand il voilà quand j'ai lu la question j'avais pas la réponse en fait et j'ai posé la question à quelques personnes et on était plusieurs à vraiment se dire bah en fait on sait pas trop ce qui peut se passer. En général le couple qui est en place arrive systématiquement à chasser l'intrus qui est d'ailleurs souvent une intruse, c'est souvent les femelles qui arrivent. Maintenant, D'accord. je remercie un de nos collègues, Christophe Rousseau du Criet de Villers, qui connaît très très bien le faucon pèlerin pour le suivre depuis des années et qui m'a apporté quelques détails supplémentaires. À savoir que dans certains cas, il peut y avoir un ménage à trois. Ah bon? Pas uniquement si la femelle intruse est une jeune femelle, déjà. Et il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un jeune du couple, mais d'un jeune de l'année précédente, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Et auquel cas, la femelle immature va donner un petit coup de main au couple présent en ramenant de la nourriture. Et d'un certain côté, il pourrait s'agir d'une forme d'éducation de cette Ah femelle. Maintenant, quand il s'agit d'un individu adulte, donc une femelle adulte qui vient de manière intrusive dans un nid, en général, à nouveau, le couple en place arrive à la chasser, mais ça, de oui. temps en temps, c'est pas le cas, et il arrive que la femelle intruse fasse fuir l'autre femelle, voire la tue. Ah bon? Ouais. D'accord. Vraiment dans le but de pouvoir prendre la place. Maintenant, même si la femelle intruse prendra la place, dans la grande majorité des cas, la nichée actuelle sera perdue. Oui. Il faudrait que la femelle intruse prenne une place avant que la ponte n'ait eu lieu. Ou alors, dans de très rares cas, la femelle intruse peut adopter les petits, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait déjà des petits. Et du coup, la nichée continue, mais juste avec une femelle différente. Donc, ça peut arriver, mais ce sont des cas qui sont relativement exceptionnels. Oui. Ce qui est certain, c'est que ces comportements très, très particuliers de femelles intruses traduisent le manque de site pour une nichée, puisque les faucons pèlerins sont fort présents chez nous. Maintenant, on en a 200 couples. C'est 5 fois plus que ce que la Belgique n'a jamais connu. Donc, forcément, c'est vraiment énorme. Et du coup, on ne conseille d'ailleurs pas de continuer à placer des nichoirs à faucons pèlerins parce qu'en fait, on estime que la population, elle, est bien établie. Et du coup, si on a d'autres individus, d'autres couples qui veulent s'installer, c'est très bien. Mais on ne doit pas surfavoriser non plus Oui, la présence de cette espèce, quoi. la présence de cette espèce. Et je pense que sur la photo qui Qui suit, suit? Ouais, bah du coup, je vais rebondir parce qu'à mon avis, ça colle un peu avec la question qui nous a été posée cette fois par Philippe. Donc, est-ce qu'on connaît la taille d'un territoire de faucon pèlerin? Jusqu'où va-t-il chasser? Est-ce que c'est cette distance de chasse qui définit son territoire? alors en fait, c'est la photo qu'on voit, je trouve qu'elle illustre plutôt la question de Merlin, à savoir que la crise du logement signifie qu'on a maintenant des couples qui peuvent s'installer dans des endroits vraiment complètement rocambolesques, à savoir ici, c'est la troisième année dans les Pyrénées-Atlantiques qu'on a une femelle, enfin qu'on a un couple de faucons pèlerins qui élève des petits dans une jardinière d'un immeuble. C'est incroyable. Ouais, et du coup ici, c'est cette année, il y a 2 jeunes qui sont nés, je pense, le 9 et le 10 avril. Et voilà, et elle se plaît parfaitement là. Et Philippe, du coup, nous posait la question de la taille du territoire du faucon pèlerin, jusqu'où il va chasser. Alors, j'ai pas des chiffres tout à fait exacts à donner, mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'il faut faire la séparation entre le territoire de chasse et le territoire de reproduction. Le territoire de chasse étant forcément beaucoup plus grand que le territoire juste autour du nid. Et le territoire de chasse peut, de temps à autre, en fonction de l'environnement, peut être partagé avec d'autres faucons pèlerins. Ce qui ne sera jamais le cas du territoire de reproduction qui, lui, en gros, c'est une espèce de bulle de quelques centaines de mètres dans laquelle la présence d'un autre faucon pèlerin n'est pas tolérée. Oui, c'est ça, c'est un peu exclusif sur ce coup-là, quoi. Mais là, c'est complètement exclusif. Alors maintenant, à nouveau,
chaque année, on en apprend un petit peu plus sur le faucon pèlerin, vu qu'on en a de plus en plus. Et donc, on disait voilà que la distance entre deux couples, elle va en général de 5 à 9 km. Je pense que par exemple entre Dautigny et Moucron, il y a 7 km, donc ça correspond parfaitement à ces distances-là, puisqu'à Moucron, Grand Place, il y a également un couple de faucons pèlerins qui nichent. Maintenant, comme chaque année, la densité de faucons pèlerins est un peu plus importante, on pourrait tout à fait revoir un petit peu ces Ces notions et distances, ouais. ces distances dans les années à venir. Ça, c'est à voir. D'accord. Alors, moi, je profite de l'occasion qui m'est donnée juste ici pour m'excuser auprès de Olivier qui avait posé la question la dernière fois sur où peut-on observer les faucons quand on est face à l'église Saint-Jacques. Mon doigt a glissé. Je me suis empêtré dans. En fait, il y a l'escalier fait des rigodons et des rigodons à l'intérieur de l'église et je me suis trompé d'un quart de tour. Donc, pour voir les faucons, c'est plutôt la tour de droite, la petite partie à droite. Voilà, Olivier, désolé pour ce couac. Alors, ben, on arrive à la fin de ce faut qu'on parle. Oup, 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 je vais plus vite. Voilà, on arrive à la fin de ce faut qu'on parle un peu particulier suite aux petits problèmes techniques. Nico, est-ce que on a une petite idée de ce qui va se passer dans la semaine qui arrive? Alors, écoute, Nostradamus, qu'est-ce qui va Wow. bon, alors ici, a priori, pendant les 2 premières semaines, les poussins principalement vont être couvés et ce sera en général la femelle qui s'en occupera et elle va s'éloigner vraiment très rarement des petits. Si les conditions météo sont très très bonnes, elle peut les laisser seules un peu plus longtemps, mais de manière générale, pendant les 2 premières semaines, on a vraiment affaire à des petits qui sont réchauffés par la femelle. Alors, on va quand même observer des béquets régulières, donc des nourrisseurs réguliers, et on peut s'attendre à ce que la taille des proies, la quantité de nourriture, la taille des béquets augmentent progressivement au fur et à mesure des semaines et peut-être même des jours. Donc, Donc il faut garder l'œil ouvert quoi. C'est une invitation à ce que on aille tous checker de temps en temps ce qui se passe et que invitation que je vous fais, vous repérez des séquences sympathiques, vous savez, le rodateur est là, disponible, il y a la date, il y a l'heure, vous nous envoyez un petit message Facebook ou faut qu'on parle @criermoncron.be et nous ça permet évidemment de récupérer des petites séquences sympathiques. Vous savez qu'on peut pas être 24 heures sur 24, même si Nico l'est presque, mais on ne peut pas être 24 heures sur 24 devant la vidéo. Alors je poursuis un Nico pour dire bon, vous avez d'autres questions? Bah vous savez, hein, faut qu'on parle @criermoncron.be. Vous n'hésitez pas, nous c'est toujours plus sympa d'avoir des questions sur lesquelles on peut s'appuyer quand on fait l'émission. Et puis. En gros, il me reste à vous dire à la semaine prochaine, de vous dire aussi que si vous avez l'occasion, mettez-vous devant la RTBF et le Jardin Extraordinaire ce dimanche, parce qu'il se pourrait qu'on parle des faucons tournésiens. Voilà, ça pourrait être peut-être rigolo. Nico, un grand merci, encore une fois. avec plaisir, Gatien. Eh bien donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre tolérance face à ces petits soucis techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, normalement, ça ne devrait plus trop se reproduire. Portez-vous bien et puis à la semaine prochaine.